Hey, salut! Avant que la vidéo commence, j'aimerais préciser que les deux espèces que je vais présenter, c'est-à-dire Python régus et Pantherophis buttatus, sont des espèces très communes à l'élevage et très conseillées pour les débutants. Même si c'est pas vraiment les meilleures espèces pour commencer, il y en a plein d'autres qui peuvent être pas mal. Donc renseignez-vous bien. Ce qui est très important avant d'acquérir un reptile, c'est les informations qu'on a dessus. Donc ce qui est le plus important, c'est de bien se renseigner. Donc là, je donnerai quelques infos, mais ce ne sera pas suffisant pour acquérir les espèces en question. Allez, générique. Python régus, aussi appelé Python royaux. Ce sont des serpents très communs à l'élevage, donc très communs aussi chez les débutants, ils sont souvent conseillés, même si c'est pas quelque chose que je conseillerais personnellement comme espèce, même si elle a plein d'avantages, comme tout plein de panels de couleurs différents, grâce notamment à toutes les mutations génétiques qui ont été faites grâce à la sélection qui a été faite en captivité. Donc ce qui offre tout un panel de couleurs différentes très très nombreux. Les seules réelles difficultés avec cette espèce, c'est au niveau du nourrissage. Car en effet, c'est une espèce qui peut être souvent assez difficile et peut refuser de s'alimenter tant qu'on ne donne pas de vivant. Donc ça peut être assez compliqué pour un débutant qui par exemple décongèle chaque semaine une proie pour le python, gâcherait une proie chaque semaine s'il refuse de s'alimenter, ce qui peut être dangereux pour le python. Et il faut du coup trouver plusieurs techniques pour éviter de gâcher des proies sans pour autant aller jusqu'à donner du vivant, ce qui est relativement déconseillé car une fois que l'on donne du vivant, il est très très compliqué de repasser sur du mort. Donc c'est vraiment un serpent qui est pas mal pour débuter, sachant qu'il a tout un panel de couleurs différents. Donc renseignez-vous bien sur cette espèce. C'est une espèce qui est pas trop coûteuse, contrairement à beaucoup de lézards. Sinon, on va passer à la deuxième espèce, Pantherophis buttatus, aussi appelé serpent des blés, anciennement appelé Elaph buttata. C'est un serpent qui est plus simple de maintien car il n'aura pas ses problèmes de nourrissage. Qui a aussi beaucoup de panels de couleurs différents, qui n'a pas un prix trop excessif aussi, donc sera très fortement aussi conseillé pour les débutants qui ne veulent pas des trop gros serpents dès le début, car en effet c'est un serpent qui est relativement fin, donc il sera très simple pour l'élevage pour les débutants. Donc avec lui aussi un panel de couleurs relativement varié grâce du coup aux mutations génétiques. Donc renseignez-vous bien aussi sur cette espèce, sachant que normalement il n'y aura aucun problème de nourrissage. Voilà, donc il y a beaucoup de panels de couleurs différents, comme ici par exemple un exemple d'une autre mutation qui est avec de jolis reflets bleus. Voilà. Même si après je précise, toutes les informations que vous voyez dans cette vidéo ne sont pas suffisantes pour acquérir ces deux espèces, c'est uniquement pour vous les présenter. Donc là par exemple vous avez un juvénile qui est par exemple, comme vous pouvez vous en apercevoir, très mignon. Donc c'est une espèce qui peut être relativement conseillée comme premier serpent. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les deux espèces qui sont très recommandées pour débuter, même s'il y a d'autres espèces qui peuvent être pas mal. Bon, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir.